Le travail à pied, c'est un bon complément du travail monté. D'abord, ça permet au cheval de s'exprimer sans le cavalier et on crée une relation différente avec son cheval. C'est aussi un bon moyen de voir son comportement, comment il bouge. Pour longer, j'utilise un lit-col éthologique. C'est parti! Alors au début, je marche sur un cercle, comme ça il voit déjà l'exercice qu'on va faire. Voilà, je fais bien attention à la sécurité, il est attentif, il sait que je suis là. Je fais une reine d'ouverture et je m'écarte. Et pendant qu'elle marche, je laisse de la longe. Voilà, je l'agrandis. Alors au début, il faut bien faire 15 minutes de pas pour échauffer votre cheval. Et puis après, partir au petit trot. Un petit appel de langue. Je la laisse trottiner à son allure. Ma chambrière, elle est toujours posée comme ça. Je la laisse par terre. Je ne l'utilise vraiment pas beaucoup. C'est juste pour la pousser. Ne jamais mettre la longe dans une seule main. Parce que si votre cheval se met à partir pour X raisons, avoir une main gauche qui tient la longe et une main droite qui tient l'autre bout de la longe. Surtout, ne jamais enrouler la longe autour de votre main. Après, au niveau de la tension de la longe, bien regarder que votre longe ne soit pas trop lâche, sinon votre cheval, il va marcher sur la longe, qui peut être très dangereux. Ma position par rapport au cheval, elle est vraiment au niveau des épaules. Si on se met face à lui, le cheval va s'arrêter. Si vous êtes vraiment au niveau des épaules du cheval, on aura plus de contrôle. À la longe, ne restez pas toujours à la même place. Ne restez pas sur un cercle comme ceci, c'est pas très drôle pour eux. Voilà, là je vais faire une ligne droite, j'avance avec mon cheval. Il faut qu'il se sente libre au niveau de la longe. Voilà. C'est un petit peu son moment de récréation. Pour changer de main, je fais comme ma cheval, une reine d'ouverture. Je me prépare bien, hein. Vaut mieux prendre son temps à bien avoir la longe dans les mains pour lui dire « Ok, on va vers cette direction ». Et je m'écarte doucement, comme tout à l'heure. Galop. Oui. Il est content, je ne tire pas trop sur la longe, je l'accompagne. Alors quand vous travaillez un cheval à la longe, bien sûr, c'est comme quand vous êtes à cheval, vous regardez s'il galope bien sur le bon diagonal, etc. Il faut aussi que la longe serve de travail. Hein. Voilà, ça c'est bien. Alors, il ne faut pas hésiter à dire à votre cheval que c'est bien. Voilà, il est détendu, il baisse la tête, il se détend, il se relâche. Voilà, oui, c'est bien ça. Oh! Et pareil, quand je passe en allure descendante, donc du trot vers le pas, je l'accompagne avec la longe. Surtout, je ne tire pas sur la longe.